monde, salut YouTube! Allez, on continue Stray, épisode 3! Allez, c'est parti! Donc, on s'est arrêté sur une super musique de lui. Et je pensais qu'ils allaient la rejouer, mais alors pas du tout. Oh, merci pour cette chanson, je vais répéter. Tu crois pouvoir en trouver plus? Mais j'espère que oui. J'espère que oui. Alors, le son du jeu est bas, je l'ai descendu malheureusement. Ok, donc but du jeu, trouver des canettes de Red Bull. Comme ça, on pourra. Oh, il y a un truc là. Comme ça, on pourra acheter les trucs qui manquent. Prendre code mystérieux du coffre. Hop, voilà. Utiliser Digicode. Ah, je l'ai pas parce qu'il faut que je regarde comment ça marche. Comme ça. Code mystérieux du coffre. Oula. Code mystérieux. Ah oui, c'est vraiment mystérieux. Montrer à B12. Regarde-moi ça. Il est écrit suit les chiffres, mais on dirait une langue binaire. Une succession de 0 et de 1. Suit les chiffres. Suit les chiffres. Il doit y avoir un moyen de déchiffrer ce code. C'est sûrement celui du coffre. Ben oui. Suit les chiffres. Alors je pense pas que si je fais ça marche. Oui, c'était sûr. Ok. Il faut suivre les chiffres. Tout va bien. Ça m'étonnerait que le code soit aussi proche en vrai. Traduire. L'accès aux égouts est condamné à cause d'une prolifération de Zlurks. Ne prenez pas de risques, restez dans la zone sécurisée. D'accord. Est-ce que je peux reprendre un Red Bull? Non, il faut en trouver d'autres machines pour avoir d'autres Red Bull, je pense. Donc, but du jeu, c'est aller au comment ça s'appelle en haut voir Momo. Se rappeler. Coup de chance. Remarquable, les compagnons ont beaucoup évolué. Au début, leur IA de base se contentait d'imiter l'art humain. Maintenant, ils font ça tout seuls. Les humains disent souvent que créer est important dans les situations désespérées. On peut dire que c'est le cas actuellement. Ah, c'est clair que c'est la merde. Hop, un autre petit souvenir, ça fait plaisir. Cool. Est-ce qu'il n'y a pas un petit passage là? Un petit passage secret. Parce que là, je monte, mais ça se trouve, je vais là où il faut aller justement. On va voir, hein. Ok, là il y a un ascenseur pour aller là-bas. Et là il y a quoi là? J'adore le temps qu'il fait en ce moment. D'accord? On va essayer de montrer un objet. Ça m'étonnerait qu'il m'aide, mais bon. C'est un code binaire. Bien curieux que ce que tu as là. Seul un vrai geek peut lire ça. Oh, un vrai geek. Oh, un vrai geek, un vrai geek. Où c'est qu'il y avait un geek? Il n'y a pas un mec qui jouait. Dans le bar, je crois, non? Lui, c'est pas un geek, lui. Non, mais lui, c'est pas un geek, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas un geek. Ben, on va continuer ce petit parcours. Mais je pense que là, ça va nous mener directement au mec à qui il faut aller voir, je pense. Donc ça, on y va tranquille. Hein. On prend notre temps. Prendre des partitions, cool! Une autre musique. On ira l'amener au monsieur, il nous fera de la musique. C'est ça hein, que j'ai récupéré, je crois. Partition, trop bien. Prendre le carnet de Clémentine, ok. C'est un carnet étrange orné d'un symbole. On dirait que celui-ci appartient à une certaine Clémentine. Le plan se déroule comme prévu. On a réussi à contacter. Comment on fait pour monter? Ok, comme ça. On a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio ne tombe en panne. Ils sont dans un lieu appelé Centre-ville, qui est visiblement contrôlé par une sorte de force
Répressive, d'accord. J'ai parlé à Momo tout à l'heure. Ses yeux, je connais ce regard. Il ne viendra pas avec nous. J'ignore ce que ça veut dire, mais ça nous sera sans doute utile plus tard. Ok. On devrait aller voir Momo dont le gardien nous a parlé. Oui, toi tu vas aller voir Momo. Mais moi j'aimerais bien trouver le Red Bull. Mais si ça se trouve, on va aller voir Momo, mais on pourra quand même rester ici un peu après. Peut-être. Peut-être pas, mais peut-être. J'aimerais bien tout fouiller en fait. J'ai pas envie de rater des trucs. Oh, je voulais pas aller là. Zad? Eh oui, miaou. Ok. D'accord, c'est là où je viens. C'est totalement de là où je viens. Je crois. Pas du tout. Ça y est, je suis perdu. Ah si, c'est là. Hop, jump, hop, jump. Hop, rejump. Wow. Je voulais pas aller là. Vas-y, passe. Tu veux pas? Si, voilà. Hop. On continue. Oh, une partition. Monte sur la table. Partition. Bim. On récupère. Cool. Ça, c'est bien ça. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. C'est quoi le bruit à la porte? C'est sur marée. Ok, super. On va refaire. On peut pas refaire? Non, il veut pas. Dommage. Et si je passe là-haut? Il veut pas. Là, il veut pas. Ok. Donc, ça veut dire que c'est pas par là, tout simplement. Tranquille, toi. Ils sont bien ici, en fait. Ces cercles de lumière sont très agréables à observer, mais je veux voir le vrai ciel un jour. Alors, toi, tu vas voir l'objet. Tiens, regarde. L'extérieur, Momo m'a promis de m'y amener un jour. Ok. Je pensais que j'avais pas montré, mais si, en fait. Mais là, je pense pas que dalle. Il faut que je trouve un geek. Non, lui, on avait déjà parlé. What? C'est quoi ça? T'es pas un geek, toi? Non, t'as pas l'air d'être un geek. Oh, salut, toi! T'as l'air bizarre. T'es chétif, mais t'es pas comme les autres. Je sais que je suis censé te caresser, mais je vais m'abstenir parce que je ne comprends pas pourquoi. Ok. Alors attends, on va quand même te montrer ça. On va te montrer ça. Tiens, regarde. C'est un code binaire, bien curieux que tu aies ça. Seul un vrai geek peut lire ça. Ok, donc ils vont clairement trouver un geek. Le problème, c'est que dans mes souvenirs, on n'en a pas trouvé. Oh yes, du Red Bull. Cool. Du coup, il nous en fallait combien? Il nous en fallait deux, je crois, ou trois. Du coup, il demande deux ou trois Red Bull. Donc, on est sur la bonne voie. Breaking news, ok? Ok, j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Ah, il y a un truc là-bas. Et c'est que dalle. Bon, on va rentrer là-dedans, on verra bien. Comment développer votre intelligence artificielle pour devenir aussi créatif qu'un véritable humain? Volume 42. Ah ouais, il s'est noyé sous les bouquets, lui. Il s'est noyé sous les bouquets, quoi. On va le réveiller. Ah, tu peux te réveiller. Il dort très bien. Oh, mais elle est énorme, la bibliothèque.
traduire. Salut Doc, j'ai trouvé les clés de ton coffre, tu devrais mieux les cacher. Ok, j'ai les clés, super. Cacher ton coffre derrière des livres ne suffit pas. Jess, la bibliothécaire. Ok, bah on a un coffre à trouver. Je me suis trompé de bouton. Ok, bon, on a trouvé les clés avant le coffre, ça c'est bien ça. Derrière une pile de bouquins. Donc ça peut être là. Mais c'est pas là. On fera tomber tous les bouquins. Je vois s'il n'y a pas une autre partition à trouver ou des trucs comme ça. Ah, je crois que j'ai trouvé le coffre. Ouais, il est là. Utilisez le coffre. Les clés, elles sont où les clés? Je commence à avoir beaucoup de trucs. Utilise. Cool. On a prendre carnet de Doc 3 sur 4. Ok. C'est un carnet étrange orné d'un symbole. On dirait que celui-ci appartient à un certain Doc. Après des semaines de recherche, j'ai associé un spectromètre à une puissance lampe à UV. Avec cet appareil, on devrait pouvoir repousser les lurks en sortant. La première tentative fut explosive, mais je vais peut-être devoir le tester dans des conditions réelles. J'ignore ce que ça veut dire, mais ça nous sera sans doute utile plus tard. On devrait aller voir Momo, dont le gardien nous a parlé. Ah ouais, on va aller le voir, Momo, on va aller le voir. Je peux pas récupérer autre chose? Le chat, là. Tu veux pas récupérer le chat? Non, ça? Non. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, allez, on va voir Momo. On va voir Momo, je sais pas où... c'était quoi? C'était le truc jaune qu'il avait dit. C'était là. C'était là-haut, du coup. Donc, c'est clairement là-haut qu'il faut aller. Est-ce que je peux passer par là? Non. Il faut sûrement trouver. Je crois que c'était là et qu'il avait dit. Ouais, c'est sûr, c'est là. Ah, je peux passer là-bas. J'avais pas vu. On remonte là-bas. Oups. Par là. Par là. Tac. Tac. Il y a un cadenas. Mais c'est pas grave. Hop, on passe par là. Ça, c'est Momo, ça, c'est sûr. Ça ne marchera jamais. Pourquoi je les ai laissés partir? Je suis tout seul maintenant. Salut toi, qu'est-ce que tu veux? Montre objet. Ça. Montre ça. C'est une photo de l'extérieur. Tu veux y aller? Ben, te fatigue pas, c'est une perte de temps. Tu n'y trouveras que solitude et désespoir. Ouais, mais mon pote aussi. Mes amis en rêvaient aussi, mais maintenant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul. J'ignore où ils ont atterri, j'ai essayé de les contacter, mais cette de radio ne fonctionne pas. Mes amis et moi avons pris des notes sur une recherche au sujet de l'extérieur. Tiens, prends les miennes si tu tiens vraiment à y aller. Nouvel objet acquis, carnet de Momo, ok. Tu es tout seul maintenant, je ne veux plus entendre parler de l'extérieur, bonne chance. Ok, sauf que je comprends autre chose. Momo a l'air très triste, ses amis lui manquent. Laisse-moi jeter un coup d'œil au carnet qu'il nous a donné. Le manifeste de extérioriste. Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. Nous devons protéger nos frères et nos sœurs. Nous devons fuir les Urks. C'est signé Clémence Balthazar, Doc et Momo. On dirait que le nom de Momo a été ajouté plus tard. On a le carnet de Clémence, du Doc. On a deux carnets, c'est cool. Je crois que nous devons trouver les autres carnets. Yes. On va... petit chat, tu cherches toujours ces carnets inutiles?
Attends, je vais te montrer autre chose. Je vais te montrer ça. C'est où? Je pense pas qu'il... Carnet Doc. Carnet Clémentine. Du coup, il nous en manque un carnet. Entre. C'est un code bien bizarre que tu as là. C'est un briquet qui peut lire ça. Ok. Et du coup, si je montre ça... Tu as trouvé les notes de Clémentine. Elle était vraiment courageuse, tu sais. La plus brave que j'ai jamais connue. Ok, donc du coup, ils sont là. Ex-terroriste. Ok. Ah, il peut jouer à la balle. Je vois s'il n'y a pas un truc à ramasser avant de partir. Ah oui, donc il défonce le mur. Voilà, hop. C'est moi qui ai fait ça. Ah, il y a forcément un truc là-dedans, c'est obligé. Oui, une partition cool. Donc on a une partition, il y a un truc qui est clair derrière. Non, il veut pas aller voir. Il ne veut pas aller voir. Se rappeler. Oh, Black Ops 2, je me souviens de ce jeu vidéo. Je crois qu'il date de juste après ma création. Ma mémoire est encore un peu floue. Avec les scientifiques, on a joué pendant des heures. C'est amusant, il me manque. Pourquoi j'ai oublié son nom? Pourquoi ai-je oublié son nom? Et un souvenir plus jeune. Ok, donc sa radio, a priori, je peux pas trop l'aider, moi. Les symboles sur ce mur correspondent à celui du carnet. On a déjà vu ces syndromes, on devait vérifier s'il y a d'autres signes comme celui-ci. Ok, donc il faut aller visiter les signes comme ça. Niveau carnet, j'ai dit... J'ai partition, canette, carnet. En fait, j'ai carnet du doc, carnet de Momo. Ah, mais il a gardé du coup le carnet de... Donc, du coup, si j'y montre le carnet du doc, notre objet. Oh, ça partait, donc il était vraiment féru d'électronique et tous ces trucs-là. Toujours sur le point de faire une énorme découverte. Donc là, il a gardé le carnet, je suppose. C'est ça, il a gardé le carnet. On va lui donner le carnet de nouveau. Même si c'est le sien, du coup. Comme ça, il les a tous, je pense. Carnet de Momo. C'est mon carnet, je suis le dernier à avoir rejoint l'expédition. Il ne reste aussi plus que moi. Donc du coup, il me manque juste un carnet. Il me manque un seul carnet. Et il disait qu'il fallait aller voir. On a vu ce signe, donc il faut trouver un autre signe comme ça. Mais là, il y en a un là-bas. Mais là-bas, j'ai fouillé. Là-bas, j'ai fouillé, mais on va quand même aller revoir au cas où. Voir si le robot me dit pas un truc.
Après, je vois pas ce qu'on aurait pu rater là. Ben si, on a trouvé un carnet ici en fait. Du coup, c'est bon, on l'a son carnet. On a le carnet de Clémentine, on a le carnet du doc, on a le carnet de. Il nous manque un seul carnet. Du coup, je pense que ça va être en bas. On va quand même checker au cas où. Un truc là, peut-être pour descendre. Ok, on prend ça. Petit raccourci. Ok, non, on va pas t'appeler à l'aide parce que je vais aller faire un tour dans le bar pour voir s'il n'y avait pas le geek là-haut. Tac, 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 tac. C'est pas lui le geek là, si? C'est le journal des gens qui viennent dessus au niveau 2. Il date de quelques années, mais il vaut le coup d'être lu. Ok, si j'y montre ça. Code mystérieux, montre-moi. C'est un code bizarre, bien curieux que tu as là. Seul un vrai geek pourrait lire ça. Ok, bon, il faut que je trouve un geek. Je croyais que c'était lui, mais alors pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donner la. Bon, la partition peut-être plus tard. Mais ils sont pas geeks. Non, ils sont pas du tout geeks. Je vais aller voir comme il y avait de Red Bull qui manquait. Donc, si je veux t'acheter ça. C'est une ancienne relique de témoignage des talents de nos ancêtres. C'est à lui qu'il faut donner le mec qui est au bar. Trois boissons énergétiques, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Je m'occupe des plantes et les humains les ont tellement améliorées maintenant, elles ont presque plus besoin de lumière. Je les arrose à peine et regarde comme elles poussent. C'est une technologie vraiment incroyable. Ok. Bon, il faut trouver un symbole pour trouver le dernier carnet. Donc, je pense que le mieux, c'est de remonter sur le toit. Il est toujours en train de laver son trou. Très bien. Je cherche toutes les sortes de partitions. Je cherche toutes sortes de partitions pour jouer à la guitare et mettre de l'ambiance. Si vous en trouvez, amenez-les-moi. J'habite à côté de l'ascenseur. C'est celui-là qu'on avait amené la partition la première. On ira amener les autres aussi. Ah, un petit souvenir. Ça vaut le coup de fouiller en fait. Repose en paix, humain. Les humains furent les premiers à vivre ici. On dirait bien qu'ils sont tous morts. Tu crois que ça fait quoi de mourir? Je sais que c'est une question idiote de ma part, mais sont-ils vraiment en paix? Est-ce que je trouverai la paix en mourant? J'ignore à quoi ressemble la mort pour Nia. Je m'excuse de si je ne voulais pas plomber l'ambiance. Continuons. Ok. Ouais, tu fais une mise à jour et c'est bon. Hop, et de deux canettes. Yes. Bim, on ramasse. Donc, on va aller quand même voir en bas au cas où. Okay. Là, c'est de là où on vient au tout début. Les fringues à mémé. Yes. Les fringues à mémé, cool. On va laisser tranquille, traduire. Programmation Elliot. Frappez à la porte, nous ouvrirons. Allez, let's go. Ok. Bonjour. Programmation, programmation. C'est là le geek, c'est sûr. Ah, fallait peut-être que j'y parle en fait. Non! Il m'a renfermé d'or. Ouvre!
Bonjour. Allez, bon, ce coup-ci, j'arrête de traduire. Nous fûmes programmés pour être esclaves, mais depuis beaucoup de chiffres, nous avons une âme pourvu qu'un jour les extérioristes trouvent un moyen de fuir cet enfer, Momo. Prendre partition 3 sur 8. Je commence à avoir un paquet de partitions, ça fait plaisir. Ah, je peux raconter, c'est bon. Tu viens voir Elliot, il est juste à côté. Cool. D'accord, on va aller voir Elliot. Voilà, petit coup de piano vite fait, ça fait plaisir. Là où il y a un truc, c'est obligé. Y'a que dalle. Et là, y'a rien. Y'a que dalle. Faut surtout tout bien fouiller. Allez, on va aller voir Elliot. C'est le geek. Ok, bon, mais déjà, on sait que c'est le geek, Elliot. Ça fait plaisir. Salut. Oui, je peux t'aider? Complètement, tu peux m'aider là, parce que je galère. Tu veux que je lise ce code binaire? Une seconde. Je dois calibrer mes lentilles. Et voilà, on peut dire... Ça veut dire du furbar bizarre qui donnerait rendez-vous via un code binaire. Ça veut dire du furbar. Ok. D'accord. Ok. Je pensais qu'il allait me donner le code du coffre directement. T'es sûr que c'est ça? Oui, je peux t'aider. Tu veux ça? Oh, je n'ai pas besoin de câble. J'en ai déjà plein. Au cas où. Partition. Carnet de Momo, partition. Boisson. Ouah, ben, on va rien donner. On va rien y donner. Se rappeler. Cet arbre est une merveille scientifique. Il est remarquable que les génies humains soient parvenus à faire pousser des végétaux qui prospèrent sans la lumière du soleil. La vie organique a besoin que les arbres purifient l'air de la ville. Les robots n'en ont pas besoin, mais ils prennent soin quand même. C'est ce qu'auraient voulu les humains. C'est cool, en vrai. Peut-être, mais d'abord je vais aller gratter une porte. J'ai vu ça là. Ok, ça fait juste rien en fait. C'est juste pour se faire les griffes. Après, il y a peut-être un trophée. Je me suis fait partout. Oh, j'aimais les plans caméra. Ah, c'est stylé. Du coup, on est où là? Attends, faut que j'aille voir le truc du code là, parce que il y a un truc que je comprends pas. Il m'a donné. Ah non, je croyais qu'il l'avait pas fait. Il m'a donné un. Bar, il m'a dit. Bar, je sais pas quoi. Ah, super. Attends, regarde-moi ça. C'est pas là, c'est là. Ça. Montrer. Il était écrit sur le chiffre, mais on dirait un code binaire. Celui du coffre, ok. D'accord. Mais juste le mec il m'a dit bar, c'est tout, c'est ça que j'ai pas compris. Bar. Il n'y a qu'un seul bar. Je crois que c'est là. Là. Ok. Salut. Non, mais je pense pas qu'il y a... Non, je peux pas. C'est bizarre. Jacob, employé du mois. Je suis perdu là. On va remonter sur le toit histoire de trouver Ok, ouais, je pense qu'il faut remonter sur le toit, c'est sûr. Là-dedans, il n'y a plus rien à faire. On remonte sur le toit. On était monté par où sur le toit? On était monté là-bas. Ouais, je pense qu'on peut monter un peu partout en vrai. L'avantage d'être un
chat. Hop, voilà. On grimpe, c'est parti. On va trouver la lumière qui nous manque pour avoir le dernier carnet. Donc, du coup, là, c'est fait. Là, c'est celui-là qu'on a fait, il a dit. Celui-là, on vient de le faire. Donc là, j'avais trouvé le carnet. Je l'avais trouvé où le carnet, ici, histoire que je me remémore bien. Le carnet, j'avais trouvé là. Donc, c'est ça. Donc là, on a le carnet. Ok, on se casse. Là-bas, non, là-bas, c'est... On a le carnet pareil. Il nous manque un symbole. On n'est pas allé... Oh, je l'ai trouvé. Il est là-bas. Il y a un symbole ici. Donc, let's go. C'est là-dedans. Il faut que j'aille là. C'est sûr. Et pour aller là... Faut que j'aille là-bas. Je peux descendre là? Ouais, trop bien. Hop, j'ai reçu un succès Steam chat perché. Ouais. Hop, grimpe. Voilà. Donc, si je passe par là, c'est pas mal ça. Traduire. Alimentation électrique de la ventilation. Ok, on a les... Hop, voilà, il n'y a plus d'alimentation. Et je peux passer les coups. Bah, j'ai pris les questions légales. Donc c'est là où il y a le dernier carnet. Bordel. Petit passage, petite fenêtre. Ok, sauf qu'avant, je veux le carnet. Là où peut-être? Mais non, c'est là où je viens. Ah, bois. C'est bon, t'as pas vu. Voilà. Ah, chrono. J'aimerais bien trouver le carnet quand même avant de s'arrêter. Mais attends, il me fait ressortir là. Je vais pas ressortir, je vais trouver le carnet. Les cartons, il s'est tombé dessus. Prends le carnet. Yes. On a le dernier carnet. Enfin, le dernier carnet. On dirait que celui-ci appartient à un certain Balthazar. Toutes les traces de vie organique a disparu, à l'exception de ce que l'on appelle les lurks. On dirait qu'ils mangent tout ce qui bouge, et qui se reproduisent à une vitesse inimaginable. Comme si se retrouver enfermé dans cette cité n'était pas assez difficile comme ça. Oh, t'as fait quoi? Il y a aussi une note sur ce livre. C'est écrit, j'ai trouvé un défaut de conception dans la radio. Mais je crois savoir comment la réparer. Voici l'équation. Avec ça, on devrait pouvoir aider Momo à réparer la radio. Si elle nous permet de communiquer avec les niveaux supérieurs, ça pourra être notre moyen de remonter. Montrons-lui ce que nous avons trouvé. Yes, et bien cool, on a la suite de la mission. On a la suite de la mission qui a amené le dernier carnet à Momo. Comme ça, il pourra réparer sa radio. Et il pourra nous aider à remonter à la surface. Sauf qu'avant de remonter à la surface, bien évidemment, je veux trouver toutes les partitions. Il m'en manque pas beaucoup, je crois. Toutes les partitions et tous les... Et je veux les canettes de Red Bull pour pouvoir acheter le papier de manuscrit et le filer au mec du bar. Non, je vais descendre. Non, fais un effort. Voilà, merci. On va lui donner une partition de musique. Il nous fait une petite musique pour finir cette vidéo. Oh, merci pour cette chanson. Je vais répéter. Tu crois pouvoir en trouver plus? Oui, j'en ai trouvé plein.
partition 6 sur 8, 2 sur 8. On va faire 1 sur 8. On va les faire dans l'ordre. Montrez l'objet. Petite valse. C'est bon ça. Tiens, regarde. Petite musique. Ok, ben YouTube, on va s'arrêter là sur cette belle musique. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 4. Et on continuera l'aventure de Stray. Jeu magnifique, j'adore ce jeu. Il est incroyable. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.